m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et je suis développeur immobilier chez Bouygues Bâtiments Île-de-France. Je m'appelle Édouard, j'ai 29 ans et je suis développeur immobilier chez Bouygues Bâtiments Île-de-France. La filière développement immobilier, c'est la volonté de créer ex nihilo un projet à partir d'un terrain qui est disponible ou à partir d'un besoin d'un investisseur et de développer ce projet jusqu'à la réalisation du bâtiment. C'est de piloter et de coordonner l'ensemble des intervenants qui travaillent sur un projet immobilier. La qualité du développeur immobilier, c'est l'envie de faire, c'est la pugnacité pour mener à bien un projet et également fédérer l'ensemble de l'équipe autour de ce projet-là. C'est également sa capacité à pouvoir discuter avec des intervenants multiples et comprendre des problématiques très variées, des problématiques techniques, des problématiques juridiques, financières, sans pour autant rentrer trop dans le détail de ces sujets. L'idée reçue dans le développement immobilier, c'est qu'en fait, nous sommes très peu au bureau. Et en effet, on passe nos journées entières chez nos architectes, chez nos bureaux d'études, chez nos notaires, enfin chez l'ensemble des intervenants. Et donc, on passe finalement très peu de temps au bureau. Ce qui me rend fier dans mon métier de développeur immobilier, c'est quand mon client m'appelle pour nous annoncer que nous avons remporté le projet. C'est de pouvoir me balader quelques années après autour de mon bâtiment et de repenser à chaque détail, chaque discussion et à la participation de l'ensemble des intervenants pour permettre finalement de faire sortir de terre le bâtiment.